plan est une espèce de mammifère appartenant à la famille des bovidés. Voici une description générale du mouflon. Le mouflon est une espèce de mammifère appartenant à la famille des bovidés. Voici une description générale du mouflon. Les mouflons sont des animaux de taille moyenne, généralement plus petits que les moutons domestiques. Les mâles sont plus grands que les femelles. Ils ont une silhouette mince et élancée, avec des pattes fines et des sabots adaptés à la vie de montagne. Les mouflons ont une fourrure dense qui varie en couleur selon les sous-espèces, allant du brun clair au brun foncé. Les mâles ont des cornes distinctives en forme de spirale, tandis que les femelles ont des cornes plus courtes et plus droites. Répartition géographique, les mouflons sont originaires des régions montagneuses d'Eurasie, notamment de l'Europe, de l'Asie occidentale et de certaines parties de l'Afrique du Nord. Ils se sont également répandus dans d'autres régions du monde grâce à des introductions humaines. Les mouflons préfèrent les habitats montagneux, tels que les zones rocheuses et les pentes escarpées des montagnes. Ils sont bien adaptés pour vivre dans des environnements difficiles et peuvent escalader des terrains accidentés avec agilité. Comportement. Les mouflons sont des animaux grégaires et vivent en troupeaux composés de femelles, de jeunes et d'un mâle dominant. Les mâles établissent une hiérarchie en se livrant à des combats de cornes pour déterminer leur rang. Ils sont généralement actifs à l'aube et au crépuscule, se reposant pendant les heures les plus chaudes de la journée. Régime alimentaire. Les mouflons sont des herbivores et se nourrissent principalement d'herbes, de feuilles, de pousses et de lichens trouvés dans leur habitat montagneux. Leur régime alimentaire peut varier en fonction de la disponibilité des ressources végétales dans leur environnement. Les mouflons sont herbivores et se nourrissent principalement d'herbes, de feuilles et d'arbustes. Ils sont adaptés pour brouter la végétation trouvée dans leurs habitats montagneux. Pendant les périodes de rareté de la nourriture, ils peuvent également brouter les brindilles et autres plantes ligneuses. Leurs habitudes alimentaires jouent un rôle crucial dans la formation des communautés végétales de leurs écosystèmes.
Certaines sous-espèces de mouflons sont considérées comme menacées ou en voie de disparition en raison de la chasse excessive, de la destruction de leur habitat et de l'hybridation avec des moutons domestiques. Des mesures de conservation, telles que la création de réserves naturelles et la réglementation de la chasse, sont mises en place pour protéger ces populations. La saison de reproduction des mouflons varie selon les sous-espèces et les régions, mais elle se produit généralement à la fin de l'hiver ou au début du printemps, lorsque les conditions environnementales sont favorables et que les ressources alimentaires sont plus abondantes. Comportement de reproduction. Pendant cette période, les mâles se livrent à des comportements d'affichage et de compétition pour attirer les femelles et établir leur dominance. Cela comprend des combats de cornes spectaculaires entre les mâles rivaux. Les combats servent à déterminer leur rang dans la hiérarchie sociale et à obtenir l'accès aux femelles pour la reproduction. Une fois qu'un mâle a établi sa dominance, il cherche à s'accoupler avec les femelles de son groupe. Les mouflons sont polygames, ce qui signifie qu'un mâle peut s'accoupler avec plusieurs femelles au cours d'une saison de reproduction. Les mâles utilisent leur statut social et leur comportement de séduction pour attirer les femelles et les inciter à s'accoupler. La période de gestation chez les mouflons dure en moyenne entre 150 et 180 jours, soit environ 5 à 6 mois. Pendant cette période, les femelles portent leur progéniture dans leur utérus et subissent les changements physiologiques nécessaires pour soutenir le développement des petits. Naissance et soins parentaux. Les femelles mouflons mettent bas un ou deux agneaux à la fois, bien que des mises bas multiples puissent également se produire. Les agneaux naissent avec une fourrure douce et sont relativement précoces, capables de se lever et de marcher peu de temps après la naissance. Les femelles assurent les soins maternels nécessaires, allaitant leurs agneaux et les protégeant des prédateurs potentiels. Maturité sexuelle. Les mouflons atteignent leur maturité sexuelle à des âges variables selon les sexes et les sous-espèces. Les femelles peuvent atteindre la maturité sexuelle entre un an et demi et deux ans, tandis que les mâles atteignent généralement leur maturité sexuelle entre deux et trois ans. La reproduction des mouflons est un processus vital pour assurer la survie de l'espèce. Les comportements de compétition, les rituels d'accouplement et les soins maternels contribuent à la dynamique sociale et à la pérennité des populations de mouflons. Les mouflons
mouflons sont des moutons sauvages fascinants avec leurs cornes impressionnantes et leur adaptabilité aux environnements montagneux. Leur dynamique sociale, leur capacité d'escalade et leurs habitudes de pâturage en font un élément unique et apprécié des écosystèmes où ils se trouvent. Les mesures de conservation sont cruciales pour assurer la survie à long terme des populations de mouflons et leurs rôles écologiques importants.